Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel haul, celui de noces que j'ai effectué ce matin. Donc j'ai acheté plusieurs produits, on va les découvrir ensemble. Donc j'ai acheté en premier donc un bloc de papier de 36 feuilles. Donc il y a deux motifs identiques à chaque fois. Donc j'ai payé 1,99€ pour le bloc de papier. Donc c'est du 7 pouces sur 7 pouces. Donc je crois que c'est l'équivalent de 15 sur 15. Du fer à pois avec du rouge, des petites fleurs, de l'uni et avec des bords. Donc j'ai pris également deux paquets de feutre à pointe fine. Donc il y en avait un à 1,75€. Et l'autre à 3,10€. Donc, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feutres. Et le second, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24. 24 feutres. Donc, 1,75€ pour le petit et donc 3,20€ pour le plus grand. J'ai repris également donc à 59 centimes de double face. Donc des enveloppes à 1,99€. Donc couleur saumon. Pour les projets de scrap, pour faire les albums, c'est très bien. Ensuite, également, d'autres enveloppes à 65 centimes. J'en ai pris deux paquets, 10 enveloppes de chaque, et c'est à 80 grammes. J'ai pris des bâtons de colle de la marque UU à 3,30. Donc, j'en ai 6, dont un grand. J'ai pris deux rouleaux de ruban satin à 60 centimes. Donc, il est très très fin. Donc, c'est bien pour les albums de scrap ou pour faire de la broderie de ruban. J'ai pris également donc les quatre couleurs, c'était à 25 centimes des feutres pinceaux. J'ai pas encore eu l'occasion de les essayer. Je vous dirai dans une prochaine vidéo si c'est bien ou pas. J'ai pris également ceci. Normalement, c'est pour faire des boucles d'oreilles, mais je vais m'en servir pour les albums de scrapbooking. Donc, c'est à 89 centimes et j'ai 5 pièces. J'ai pris donc 99 centimes des feutres pinceaux de couleur argentée. Et j'ai pris en dernier lieu donc un livre sur Tilda à 3,99€. Le prix habituel est à 13,90€. Donc comme je fais de la couture, ça sera pas mal. Donc il y a plein de projets à faire dedans. Il y a des petites trousses. Des poupées. Donc, j'en ai déjà fait pas mal.
Il y a des petits sacs. C'est toujours des choses assez frais à faire. Une boîte à épingles pour celles et ceux qui aiment la couture. C'est un livre qui est plein d'idées. Encore une petite poupée. Des boîtes en tissu. Alors, ensuite, à la fin, nous avons le patron. Et nous avons des petites étiquettes. Donc là, il y a la machine à coudre. Et des petits tags qu'on peut faire photocopier et réutiliser si on le souhaite. Voilà. Donc, je vous montre l'éditeur, l'auteur. C'est Le Bel Été de Tilda. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à liker et partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.